Allez, c'est parti, c'est partouze. Continuez. Bah oui, confirmé. Alors, map. Donc, je suis là. Oh là, tout ce qu'il y a à récupérer ici. Ah, il y a déjà une recette là à récupérer. J'ai réussi à dormir 4 heures la nuit dernière. Que je comprenne bien. Une bonne. Oh, me saoule la radio là. Réchappe de la reine. Élimine le chef. Et maintenant on est tous censés la suivre. Sûrement. C'est possible. Des phrases. C'est même pas une pillarde. Tout ce que je sais, c'est que Gage est dans les mains. Putain, j'ai les mains qui tremblent à mort. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Abusez du jet. Va voir Mados. Va te remettre en visite. Je suis le seul à être surpris d'apprendre que. « Comprendre les opérateurs, c'est pas difficile. Nous, on sait comment vivre. Les autres gangs, ils savent plutôt mourir. » Je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'ai bien trouvé ce que je cherche. Je vais sûrement en avoir besoin pour faire des petites recettes à la con. Génial. Bah ouais qu'elle aime ça, elle. Oh, des steam packs. Oh oui. Le seul souci. Poser les bonnes questions. Quelle taille ils faisaient ceux qui ont construit cet endroit? On n'est pas censé faire du mal aux autres gangs. Le truc, c'est de les mener en bateau pour qu'ils se nuisent mutuellement. Rapport de l'infirmier Nuka World. Ici Dale Walsh, secouriste à l'infirmerie de Nuka World. Ce rapport date du 14 juillet 2077.
Je voudrais exprimer officiellement ma consternation face aux conditions de sécurité actuelles sur certaines des attractions de Nuka World. Je viens de finir de traiter un patient qui souffrait de multiples coupures et ecchymoses après avoir fait un tour sur les montagnes russes de la mine de Mulligan le Cinglé. Rien que l'année dernière, j'ai traité 7 fractures, 9 lacérations majeures, 78 blessures musculaires et 166 lacérations mineures, toutes causées par le mauvais fonctionnement des attractions. Sans parler des 2 décès qui ont eu lieu au cours des 6 derniers mois. Je comprends que le projet Cobalt a nécessité la réaffectation d'une partie du personnel de maintenance et de sécurité du parc, et qu'il est primordial dans l'effort de guerre. Mais nous ne pouvons pas ignorer que la sécurité est tombée très bas à Nuka World, et qu'il nous faut y remédier immédiatement. Puisque mes superviseurs ont choisi d'ignorer mes inquiétudes, je transmettrai cet enregistrement au bureau de Monsieur Brad Burton, personnellement. Coca-Cola qui obtient les droits de faire une fête foraine, un parc d'attractions. C'est comme ça que j'imagine. Quoi ? Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je fais de mon mieux, ok ? Si tu descends mon assistant, c'est toi qui vas passer le balai. T'as compris la terreur ? Je voulais juste m'amuser un peu, mais faudrait pas qu'il se relâche, le petit. Je me fous de savoir combien vous êtes. C'est chez moi, ici. Dans mon bar, c'est moi qui commande. Ah ouais ! Faut que je sauvegarde bien et que je garde la sauvegarde. Faut que je garde. Je vais garder cette sauvegarde. Toutes les autres, je vais les supprimer. Comme ça, les sauvegardes précédentes. Ah, je peux pas les supprimer. Ben non. Sauvegarder. Parce que je sens que je vais pas aimer ce que je vais faire. Donc du coup, je vais sauvegarder sur les anciennes sauvegardes. Sûrement, j'aurai 4 sauvegardes. Là. Là. Oui. Hop. Et tout. Et voilà, ça, j'ai au moins 4 sauvegardes sur. C'est comme ça que j'entends déjà des gens parler d'un accord secret en Alors, grand manique, disant que celui on sème la bagaille. Vous y croyez, vous ? J'ai fait du chemin pour voir cet endroit. Pourquoi la vie est trop courte pour s'emmerder avec des conneries. Je veux dire, faut s'éduquer comme si c'était le dernier jour. Ah, voilà. Ah, c'est ça, que ça ressemble. J'ai hâte de voir ce que le. Ouais. Car ça pourra pas être pire. J'espère vraiment que ce nouveau grand manique vient de pas te voir. Je te retrouverai plus tard. Allons, allons. Si t'es encore en vie. C'est au grand Manitou que tu le dois. J'ai ici une note pour Mira. En fait, c'est une lettre. Sérieux, vous me foutez de moi ? Mira est un robot dans le vidéo. Je ne suis pas doué pour les conversations. Il y a des tas de gens plus intéressants que moi à qui vous pouvez parler. Oh, enculé. Nisha n'a qu'une seule règle, en fin de compte. C'est ça. Faut jamais se faire prendre. Je m'étais dit que j'allais tester la Ça va Mais maintenant, ça sert à rien de mettre de toi. Personne ne sait. Kate, t'es à ta place là, non? Putain, pourquoi j'ai pris ce perso? Pourquoi j'ai pris Kate? Quand remarque, tous les autres, je pense qu'ils m'auraient. Ils auraient tous tué. Enfin, je pense. Du coup, sans fait. Eh, mais lui, il faut qu'il arrête de tirer. Il... Sans déconner.
Apparemment. Ah, mais c'est l'armure assistée. Ah, c'est ça. C'est l'armure assistée que t'as. Je sais pas si je peux sortir réellement. Putain, parce que c'est grand, hein. Oh, oh mon dieu! Hey, je crois qu'il y a aussi une histoire de tuer des créatures. Sous l'effet du Nuka machin. Non, c'est pas ça. Obtenir chaque numéro de récup. Ah. Il y en a au total 5 numéros du magazine récup à ramasser. Ah, ça doit être ça. Perk magazine. Augmente les chances de réussite des défis de l'éloquence. 25% de dégâts de poignard au combat. Et au cran d'arrêt, plus 10% de dégâts aux armes de poing, 5% dégâts explosifs, force et endurance plus 1 si vous êtes une, si vous avez une somme inférieure ou égale à 10 000 capsules, force et endurance plus 2 si vous avez une somme inférieure ou égale à 1000 capsules. Ouais, c'est marrant, on dirait le contraire d'aristocrate. Sur 67. Ouais, bon, en gros, ça va pas me servir à grand chose, hein. Ah, merde. Ah, shit. Ouais, c'est, alors c'était pas ça que je cherchais, mais oui, il le faut. Ta 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 ta. Ouais, ça, je vais le faire plus tard. Prise de contrôle, ouais. Plein de sucre. Alors, éliminer 40 créatures de Nuka World en étant sous l'effet d'un dégoût de Nuka Mix. Pour le trophée, il y a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, concentrez-vous sur les nouvelles créatures de Nuka World. Radra, Vert de sang, je connais pas ça. Crayon, fourmi, Nuka frangeux, ah, ça non plus. Ferrogator, ouais. Ferrogator, c'est des alligators féroces. Bah, 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 bah. Ensuite, il vous faudra être sous l'effet. Attends, ouais. Il faudra être sous l'effet de Nuka Mix, c'est-à-dire un mélange de soda que vous avez vous-même réalisé. Le nom du Nuka Mix est noté sur l'étiquette de chaque bouteille. Surtout toutefois, car certains sodas ont un effet immédiat et ne durent pas. Je vous conseille donc de boire un soda avec une durée prolongée. Ah, du Nuka Bomb. Ah, il est pas mature, donc ça devrait aller. Il n'y a pas les effets. Nuka Seed, Nuka Couleur, Nuka Fruity, Nuka Heart. Nuka Elixir, Nuka Punch, Nuka Punch, Nuka Ray et Nuka Voice. Il n'y a que le Nuka Bomb que je connais. Je me demande pourquoi ils n'ont pas intégré les autres recettes de Nuka. Ok. Oh bah ça marche du coup. Putain, faut que je cherche une machine.
Alors les tocards, vous avez pas une machine ? Je travaille dur pour que cet endroit soit propre et accueillant pour vous et les autres pillards, comme toujours. Oui, alors, sauf que moi je suis pas pillard. Je peux dégager, merci. Y a pas de Nuka. Les femmes fortes dans votre genre ont souvent besoin d'un verre, pas vrai ? Ouais. Voyons ce que vous avez là. Tout de suite. Putain, c'est un mur. Nuka Cherry, je te prends ça. Nuka Cola, je te prends ça. T'as pas d'autre chose ? Non, bah je te prends ça alors. Je pense que je vais en avoir besoin. Je cherche pas les ennuis. Juste des bonnes affaires. On n'est pas censé faire du mal aux autres gangs. Le truc, c'est de les mener en bateau qui se nuisent mutuellement. J'espère que ce morceau vous a plu. Attends, je vois ce que c'est en plus la machine. Je sais pas si je peux l'utiliser ici. Non, je crois pas. Oh, je sens que ça va être long d'avoir tous les trophées ici. Oh là, on manque en un là. Marché New Cator. Soyez la plus belle, le plus beau. Mac et William Black dirigent les opérateurs. Et voilà, Rocket 69. Le type qui vend de la drogue est un peu déconnecté. Ça c'est pour qu'au terminal d'information de Nuka World. Il manque... Non... Une vieille carte Mozy, c'est tout ce qu'il y a. Si vous voulez un truc, vous le prenez, c'est tout. Parlez, allez. Ouais. Qui me suit pas, sinon je vais le déclinguer. Hein. Est-ce que je vais l'avoir du premier coup? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Tu vas te trimballer ces merdes. Loser. Oh, salut chef. J'avais pas vu que vous étiez là. Si tu portes un collier, c'est parce que tu l'as demandé. Personne ne devient esclave sans toi. Ouais. Bah allez, pour l'instant faut que j'aille dans un de mes camps. J'ai pas le choix. Si je veux faire. Hey. Je vais te faire la faute. J'ai entendu quelque chose. Oh.
Moi j'ai rien entendu, et toi? Je vais aller au Red Rocket. Ouais, j'ai vraiment pas bu beaucoup aujourd'hui. Vraiment que j'améliore ce Red Rocket. Alors, c'est dans fabrication, il me semble. Ouais, c'est ça. Station mixeur. Nuka Quantum. Quantum. Le meilleur Nuka qui puisse exister. Un peu, ah oui. D'ailleurs, je l'aime pas cette armure. Jinyuka. Jinyuka Buzz. Voilà. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il préconise à fabriquer? Je vous conseille de boire du Nuka Bomb, Nuka 7, Nuka Color. Nuka. Oh, Nuka Bomb, je comprends pas. Nuka 7. Hop, ouais. Nuka Color, je sais pas. Fruity, j'ai pas. Nuka. J'ai pas, Nuka Elixir, j'ai pas, Nuka Punch, j'ai pas, Nuka Red, Nuka Voice. Oh, ouais, j'ai que ça, mais putain, mais paye. Putain, mais il est cher le truc là. En Nuka. En Nuka. Oh la vache. Ah, ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. c'était quoi au sale? Nuka Free. Oh, mais ça, c'est pour rendre les PV. Ça. Ah, il me faut une passe de Nuka Cola, quoi, en plus. Ouais, pas fini de m'emmerder, moi, avec tout ça. Oh, je sens que les trophées vont me casser les... Oh, ça me donne pas envie de le faire. Oh, oh j'ai pas envie. Wow, Nuka 7. Wow. 1200 PV. 300 PA. PA max 20. PV max 50. Résistance aux radiations 35. Charge max 35. Oh mais laisse tomber. Pff. Au pire je crois que les monstres ils repop chaque fois. Je crois c'est ce que je vais aller faire, je vais aller chercher les recettes.
après. Je crois qu'il y en a, ça va être compliqué de les avoir. Il y en a quelques-unes, à mon avis. C'est... Par contre, il y a le taquet d'armure assistée. 1, 2, 3. Combien là d'armure? 6. Il m'en reste plus que 5 armure assistée. Bon. You, moi. Il est là-bas. Je vois pas le point. Ah si, là-bas. Bon, faut que je récupère tout le nuque. Je tombe pour la nuque à ticket. Faut que je récupère tout le nuque que je peux. Ah oui, c'est... putain, je peux te dire. Oh, c'est trop bien. Attends, tais-toi. Ah ouais, c'est une nouvelle bestiole ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quoi sur le truc là? J'ai pas... Ah mais j'ai encore l'effet... Ah oui. Le nombre de points d'action nécessaires pour sprinter quand vous êtes en surcharge. Oh, c'est pas grave. Oh, ça me fait penser à la série Fallout. Canon éclabousseur, les dégâts augmentent après chaque coup consécutif sur la même cible. J'essaye de l'améliorer ce canon de verre.
Je me demande si ça passe sur Twitter, sur Twitch. Joli. Sûrement. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ? Vous vous montrez toujours aussi amical envers les étrangers ? J'imagine que c'est parce que je n'aime pas porter un jugement sur les gens avant de les connaître. Pardon si ce que je vous ai dit a pu vous décontenancer. Je m'appelle Evan. Ça fait des années que je vis là. Vous pourriez penser que j'aime la tranquillité et la vue. Eh bien, jugez par vous-même, c'est tout autre chose. Puisque vous vous êtes donné la peine de me chercher, le moins que je puisse faire, c'est de vous rendre service. Vous avez besoin de fournitures ? Oui, ça a l'air chouette. Ravi de vous aider. Montrez-moi ce que vous avez. Tenez, j'ai trouvé ça il y a un moment à la périphérie de Nuka World. J'en ai pas l'utilité. Non mais... Recette du Nuka Love. Ah, chouette. Je crois que c'est ce qu'il fallait. Est-ce que c'est un des trucs qu'il me fallait ? Je crois pas. Non. Eh ben non. Bon, presque. Eh bien, ça fait toujours plaisir d'avoir de la visite. N'hésitez pas à rester un moment. Et si quelque chose vous tente, servez-vous. Faites comme si je n'étais pas là. Je vais rester traîner dans le coin et profiter de la vue. Evan. C'est bizarre, ça me dit quelque chose, Evan. Quelque chose me dit que ce serait peut-être une référence à... notre jeu ou une connerie. Voilà, par des réacteurs à fusion, c'est tout ce qu'il y a fait en plus. Quelques armes, ouais. Peu importe. De toute façon, j'ai envie de la raconter. Donc, Vogel. Donc. Il y en a un autre ici. C'est quoi ? Tout ce qui pourrait servir.
Mort d'écorcheur. Cucucustre. Ah, c'est peut-être juste une main. Poulavski. Protection d'éclair. Ah, mais c'est un raid rock. Vous voulez changer de look? Essayez un costume ballon. Dites-leur que c'est Poulavski qui vous envoie. Hey, ici votre présentateur préféré, Red Eye, qui félicite chaudement notre nouveau candidat. Putain, mais pour casser les chiottes. Que ce soit sens propre. Bienvenue. Nous sommes les ufologistes. Vous avez sûrement entendu parler de nous. Non ? Si vous êtes à la recherche de réponses aux grandes questions de la vie, l'ufologie les a. J'espère sincèrement que vous allez vous joindre à nous. Et même si vous ne le faites pas, j'ai besoin d'une personne d'action. L'ufologie ? C'est quoi ça ? Avant la Grande Guerre, un brillant écrivain du nom de Dick Hubel a inventé un processus pour ouvrir l'esprit humain. Par le biais de l'alignement, il a réussi à donner à ses partisans de vrais pouvoirs psychiques. Je suis son descendant direct et le gardien de tous ses secrets, connu sous le nom d'ufologie. Si vous souhaitez vraiment nous rejoindre, allez voir Phil pour un alignement. Nous pouvons vous aider à trouver la paix intérieure et le bonheur. Nous pouvons vous aider à maîtriser les pouvoirs incroyables de votre esprit. Je sais pas. Je crois que j'ai activé une quête. Je sais pas. C'est quoi ? Ça m'intéresse toujours si la paye est intéressante. Bien. Nous avons besoin de combinaisons spatiales comme celles que je porte. Je vous paierai 200 capsules si vous parvenez à en ramener 5. On m'a dit qu'il y en avait dans la zone galactique de Nuka World. J'ai perdu 2 partisans qui ont essayé de les récupérer. J'espère que vous aurez plus de chance. D'accord. Bien. Si tout se passe comme prévu, je pourrai avoir plus de travail pour vous. En attendant, amenez-moi ces combinaisons spatiales exposées par Voltec à Nuka World. Ouais. J'espère qu'il faut pas que je fasse une mission de merde pour avoir la recette du Nuka. Ça va légèrement me gaver. Les rendez-vous service et restez bien dans Nuka Town. Si vous entrez dans n'importe quel autre parc, non, c'est bon. Parfait. Ah ouais, mais en fait, on peut pas savoir les recettes. Quelque chose pour vous. Vous avez déjà entendu des morceaux par-ci, par-là. Alors là, ici, j'ai quoi ? Ah, il y a 2 livres là, encore. Ok. Ici, là, il y a 2 livres.
En plus, il faut que je récupère les recettes. Ça, ça tombe bien. Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande vie. Ouais. Je crois que c'est la zone ici. C'est ça. Le manoir mystère grand. Travaille ici. Je peux rentrer gratuitement. Je vous souhaite une bonne visite du manoir mystère. Frapper ou taguer les modèles animatroniques est interdit. Soyez émerveillés par les modèles animatroniques. Découvrez la cuisine ou sa mère. L'histoire du manoir mystère. Grandchester débute avec Morticia et Hannibal Grandchester. Morticia frôle la mort. Hannibal n'a jamais voulu d'enfant et en veut. C'est bloqué. Pour avoir risqué la vie de son épouse. Pas moyen de cocheter. Pas de bousculade. Un comportement perturbateur vous vaudra d'être expulsé du manoir mystère Grandchester. Enfant, Lucie s'avère difficile avec ses parents âgés. Dans cette pièce, sa mère lui lit des histoires écrites par Mary Shelley et Stephen King et les histoires des Borgia. C'est de la merde, balance-moi tout ça. Elle capture de petits animaux avec lesquels jouer. Difficile de crocheter ça. Leurs peaux ont été retrouvées clouées en dessous des meubles. Les visiteurs ne sont pas autorisés à emporter des objets en souvenir. Veuillez avancer jusqu'à... Morticia est assez vite convaincue que sa fille est possédée. Puisque vous n'avez pas envie de rendre service... Hannibal est persuadé... Morticia se plaint chaque matin des frissons fantomatiques qu'elle ressent dans ce couloir. Sur les conseils d'un médium, elle persuade Hannibal de construire des cheminées pour évacuer les mauvais esprits. Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures des visiteurs qui tentent de grimper dans les cheminées. Veuillez avancer jusqu'à la salle suivante. Il n'y a pas moyen de couper ça, là. Faut traverser, hein. Pas le choix, hein. Le médium de Morticia lui assure que Lucie peut être sauvée en exorcisant ses mauvais esprits. Des pièces telles que celle-ci ont été construites pour désorienter les esprits afin qu'ils aient du mal à trouver Lucie.
Un matin, Hannibal découvre ici une poupée qui lui ressemble dangereusement, pendue au bout d'une corde. Il est strictement interdit de grimper sur les meubles du plafond. Le cuisinier préféré d'Hannibal... Hannibal se déplace avec une canne. Lucie apprend très vite à rester hors de portée de ses coups. Les visiteurs sont priés de ne pas se lancer dans des duels en utilisant les cuillères de la cuisine comme des épées. Veuillez avancer jusqu'à la salle suivante. Alors que nous traversons le petit salon, vous remarquerez l'escalier qui ne mène nulle part. Il s'agit d'une autre tentative de Morticia pour désorienter les mauvais esprits qui possèdent sa fille. Il est interdit de suspendre les enfants aux rampes en passant à la salle suivante. Madame Scarlotta a conduit des séances pour Morticia dans cette salle, dans l'espoir d'exorciser les mauvais esprits qui habitaient sa fille. Lucie s'asseyait dans la pièce au-dessus et tapait au sol pendant les séances. Un jour, Madame Scarlotta a accusé la petite blague. Fille d'avoir tenté de la pousser dans les escaliers. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. La science moderne a démontré que les fantômes n'existaient pas et que les séances de spiritisme n'étaient que manipulation. Lorsque le manoir mystère Grantchester a été vendu au plusieurs chandelles truquées y ont été trouvées. Veuillez avancer. Le capteur détecte une forme de vie douée de conscience. Augmentation arme prête à tirer. Il sent rien de 0-30. J'ai ayant appartenu à Lucy Grantchester durant son court séjour sur cette terre. Les répliques de ces objets sont disponibles dans la boutique de souvenirs. Quel enfant n'aurait pas envie de jouer avec un mini couteau désosseur comme Lucie utilisait pour écorcher de petits animaux? Des répliques fonctionnelles sont également disponibles pour les adultes. Quand vous aurez fini de tout regarder dans cette pièce, passez à la suivante. Tu peux pas faire ding ding? Vous voulez faire ding ding? Après s'être empalé le pied sur... Ah, il en restait. Mystérieusement retrouvé dans sa chaussure, Hannibal entra dans la chambre de Lucie pour la punir de ce tour. Abracadabra. Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais il fut retrouvé avec une paire de ciseaux enfoncés dans l'œil jusqu'au cerveau. Bon, si, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve qu'en plus c'est une... Je vois des références partout, mais... Peut-être une référence à un film. Déclare. Ouais. Et les avoir simplement tenus pour se défendre.
alors qu'il tentait de l'abattre avec une lance. Il aurait trébuché et serait tombé directement sur les ciseaux. Quand on lui demanda pourquoi tous ses doigts avaient été coupés, elle répliqua que c'était pour qu'il ne puisse plus tenir sa canne. La mère de Lucie fut retrouvée morte dans la chambre principale, une poupée de chiffon enfoncée dans la bouche. Ses poignets portaient la marque de corde, mais elles ne furent jamais retrouvées. Lucie insista sur le fait que la poupée était la seule responsable parce que Morticia ne voulait pas l'embrasser avant d'aller dormir. Elle fut internée. Le jour de ses 18 ans, elle s'échappa. On la retrouva 9 jours plus tard, pendue dans le grenier, apparemment morte par suicide. Passons à la salle suivante. Ah, c'est ça, en plus c'est là. Oh, mais c'est long. On y va. Oh. Merde. Mal aux yeux. Désolé, et mal aux yeux. Aïe. Excellent. Yuka Punch. Rocket Punch! Ouais, pas les couilles. Bah, il est où l'autre? Des munitions. Un réacteur. Des munitions. C'est bon. Avancé. Plus par là. Non, plus par là. Là. Hop. Ça y est. Ah, voilà. Récup publication numéro 4. Ouais. Plein de trucs, plein de bidules, il y a plein de machins. C'est bien ça. Okay.
Pourquoi il fait encore un... C'est là au niveau inférieur. Émerveillé par les modèles animatroniques. Découvrez la cuisine. Ouais. Ouais, c'était plutôt. Ouais. Attends. T'as entendu ? Oh, j'ai pas vu. T'as une seconde? Ok. Hey. Ouais, ouais. T'as deux minutes maintenant? J'ai toujours un truc à te dire. Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Cool. Ça fait un moment qu'on traîne ensemble et ça a pas toujours été une partie de plaisir. Mais malgré toutes les emmerdes, tu m'as jamais laissé tomber. Toujours à couvrir mes arrières et à m'empêcher de faire des conneries. Je me dis qu'il est peut-être temps que je te parle un peu de moi. Parce que tu sais pas vraiment qui je suis, finalement. Je te dois bien ça. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu mieux. Attends d'avoir entendu toute l'histoire. Tu diras peut-être plus ça. Ça commence avec deux déchets humains qui méritent même pas le nom de parents. Je suis sûre que j'étais pas prévue au programme. Parce qu'ils m'ont jamais traité comme leur fille. Ils me gueulaient dessus, ils me tapaient. Je faisais jamais rien de bien. Pour eux, j'étais un poids, rien d'autre. Ils m'étaient toujours dit qu'ils devaient quand même m'aimer un tout petit peu, puisqu'ils me gardaient avec eux. J'ai compris le jour de mes 18 ans. Ils m'ont foutu un collier électrique autour du cou et ils m'ont vendu à des esclavagistes. Ils se sont même pas donné la peine de me dire au revoir. 18 ans à vivre l'enfer pour découvrir que finalement, je valais pas plus qu'une poignée de capsules pour eux. Personnellement, je t'aurais vendu un peu plus tôt. Hein. Parce que ça vaut plus cher un enfant, hein. Bon sang. C'est horrible. C'est gentil. Mais c'est pas fini. On m'en voudrait pas si je disais que c'est à cause d'eux que je suis comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est de ma faute.
J'ai passé 5 ans avec les esclavagistes. Les 5 années les plus dures de ma vie. Les trucs qu'ils m'ont fait faire. Comment ils s'amusaient avec moi. J'ai envie de gerber rien qu'en y repensant. Mais j'ai tenu bon. Et j'ai appris à retourner leur propre méthode contre eux. Voler quelques capsules dans la poche d'un mec endormi, c'est facile. Tant qu'on n'est pas trop gourmand. Je peux même pas imaginer ce que tu as enduré. Tu trouves ça moche? Attends de voir la suite. Je sais pas où j'ai trouvé la force, mais au bout de 5 ans, j'avais réussi à gratter de quoi racheter ma liberté. Mais au lieu d'aller reconstruire ma vie, je me suis mis des idées de vengeance dans la tête. Je suis rentrée à la maison. Imagine un peu la tête de mes parents quand ils m'ont vu défoncer leur porte. Et leur tête. Après que je leur ai vidé un chargeur dans la gueule. Justice, évidemment. Alors, justice ou meurtre? Quand je ferme les yeux, je vois encore leur visage déformé par la peur. Et là, je commence à me poser des questions. À juger ce que j'ai fait, ça me fout en l'air. Tu crois que je m'injecte toutes ces merdes et que je descends toutes ces bouteilles parce que je suis une dure à cuire d'Irlandaise? Je fais ça pour oublier et essayer de garder le contrôle de ma putain de vie. Enfin voilà, toute l'histoire de Kate l'a traumatisée de naissance. À toi d'en faire ce que tu veux. Pourquoi essayer de juger ce que tu as fait? Mes parents m'ont vendu à des esclavagistes. Mais est-ce qu'ils méritaient de mourir pour ça? C'est vrai, j'ai eu une enfance merdique. Mais ils m'ont quand même nourri et protégé des radiations. Ça, c'est le genre de pensée qui me retourne le cerveau et qui me pousse à picoler. J'attends juste de savoir ce que tu penses de moi, maintenant. T'en fais pas. Je crois toujours en toi. Je savais que je prenais un risque en te racontant tout ça. Je suis soulagée que tu le prennes comme ça. Je serai toujours là pour toi, Kate. Rien de ce que tu pourras dire ne changera ça. Ah, ouais, ok. Je m'attendais vraiment pas à ça. Désolée, je pensais pas que tu tenais à moi comme ça. Et moi qui me trouvais conne à t'embêter avec mes problèmes. C'est bon de savoir que tu seras là si j'ai besoin de toi. Et tu pourras toujours compter sur moi, toi aussi. Ouais. Je sais pas si j'aurais réagi pareil. En vrai, je pense que je serais mort. Plus longtemps, ouais. Vraiment forte quand même, cette petite. Y a pas d'armure assistée là. Non. Je les ai pas enlevés. Hein. Non, je les ai pas enlevés. Donc faut que j'y aille, ça m'a l'air d'être une des charges. Ouais, c'est ça. Une casse. Truc à faire peut-être avec, je sais pas. Ah, j'oublie que j'ai pas de jetpack et de... Thank you.
qu'on se foute de ma gueule. Pas moi. J'ai pas pété. Enculé, il a un lance-nuque. Ah! Comment dire? Avec les autres trucs là-bas. Bloqué. Désolé, j'ai pas envie de le faire. C'est Gober là. Non, aïe. Ouais, mais je crois qu'il est là, hein. Pas pété. Hein. Qui a convaincu Mira de venir se poster à côté de moi, et en tout cas ce petit plaisantin d'avoir un nouveau matelas. Et merci pour la blague, je ne demande rien. Thank you.
Peut-être balancer quelques trucs, crois pas? Non. On garde tout. Oh! Du premier coup! Fait peur la tourelle alien. Par contre, elles sont stylées les tourelles. Alien animatronique. Ça y est. C'est ce livre. Et voilà. Génial. Du New Kadark, de l'alcool. Encore un réacteur. Plein de réacteurs. On a un nouveau grand magnétique, mais on est encore coincé dans le bordel dans lequel Colter nous a foutu. Bon. À moins que vous soyez suicidaire, évitez d'être promené dans les parcs qu'on n'a pas encore sécurisé. Il y a tout plein de trucs herbes qui s'y passent. Voici une chanson que j'ai écrite moi-même, tout seul, sans l'aide de personne. Du pur Red Eye, on pourrait. Ça fait kaboum. Bon, je vais aller là parce qu'il y a une armure assistée. Je vais aller ici. Carte. Une armure assistée, en plus de ça, une petite recette. Pam 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 pam. Dire que le ciel il devrait être similaire
à quelque chose de près. Munition, capsule. Si tu trouves quelque chose, on partage, hein. Hey, j'espère que ça en vaut la peine. Ce qui est à toi est à moi. Pas vrai, trésor ? Est-ce que c'est par là qu'on rentre par l'usine ? Par là. Mort, ça reste mort. Mais... est-ce que t'as vu un problème? Yeah.
sais même plus ce que je suis en train de rechercher ici. Peut-être que je regarde. D'accord, ok. Un livre pour du Nuka. Une armure assistée. Fabriquer, alors du coup, c'est quoi les conseils déjà? Je m'en souviens jamais. Le plus chiant à faire. Nuka Fruki, j'ai. Mais c'est que des trucs de con. Nuka Patch. Oh. Ouais, mais c'est que des Nuka de con. Oh, sérieux. Punch, c'est quoi? Ouais, quoi qu'il arrive, il me faut punch, l'exil, fruity. Ouais, il me faut du Nuka orange, quoi que. Quoi qu'il arrive, marqué pour recherche. Ah, quoi qu'il arrive, il faut du Nuka orange. Ah, c'est pas gagné. La fabrication. Du quantum. Du quantum. Capsule à la con. Oh merde, si ça se trouve c'était eux qui ont tiré tout à l'heure.
Bah, c'est ballot. Pom 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 pom. Ça va être un peu compliqué, hein. C'est bon les ghouls, là. Franchement, ma santé. Allez, paraît combien que je suis perdu. Du coup, ça c'est la sortie. Je suis perdu. Novice. Ouais. Ouais, sérieux, novice. Bethesda, ouais, ouais, faut des trucs bizarres. Dans un jeu normal, quand t'as un truc comme ça, c'est qu'il y a un truc intéressant derrière. Mais bon, j'avais oublié que c'était Bethesda, et... mais du coup, il y a rien derrière. J'aime les boules, moi j'aime les boules. Donc, alors comme ça, ouais, presque bon. Comme ça, nickel. Joli. C'est ce que je cherchais. Ça, ça, ça. Mais du coup, l'armure, elle est où? Ouais. Power. Ok. Faut du power. Oh, m'en fous. Du coup, maintenant, faut que je cherche l'armure assistée. Parce que je suis pas venu ici que pour ça. Au moins que ce soit une armure tout court.
Donc du coup, c'est de la grosse merde. Non. Non. La porte s'ouvre. Ah, avec un terminal. Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Ah oui, je l'ai vu, mais j'en souviens plus. Mais oui, elle s'ouvre avec le terminal. Je sais plus. Je crois que je suis passé par... Non. Non, je suis arrivé de là. Là, si je descends, je me tue, non? Non, ça va. Je m'en souviens plus. C'est là. Ouais, si c'est là. Oh. Peut-être l'avoir au complet, ce serait pas mal. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Mais je m'en souviens plus. Là, voilà. Je sais bien que je l'avais vu. Novice. Oh. En simulaire. Zéro similaire. Le S peut-être. Ouais. Ça y est. Ouvrir la porte. Ça. Oh. Et c'est pas l'armure prototype. Enfin, la peinture prototype. Ouais, dis-moi que c'est dans les yeux. Oh oui. Enfin, dans les yeux. Bien sûr, la source de la lumière est entre les deux yeux, mais... Mais ouais, ça peut marcher comme ça, hein. Mais comme ça, ça marche pas. Du Nuka Power que je viens d'avoir. Non, oui. Enfin,
Bon. Ah, maintenant j'ai ça. Maintenant je peux sortir de l'usine, je pense, en plus. Terminé. Ah non, pas terminé. Je vais aller la chercher. Après, je retourne au Red Rocket. Parce que j'ai peut-être d'autres trucs à vider. C'est par où la sortie ? C'est pour le petit coin. Ah, je sais pas. Cinquante-quatre. D'accord. Doit. Beaucoup. Mais non, il est pas là-bas, si. Il a fumé le truc là. Ah, j'avais oublié que c'était pas les balles explo. Faut que j'arrête de jouer à 76. En fait, ici, on va voir tous les X01.
Mais... Bon alors, pour être plus précis, ça serait plus par là. Dans un camion militaire. Ok. Ah ouais, là. Au moins que ce soit ça là-bas. Ah, il manque le casque. Ah non, il y est. J'ai cru que c'était en Wendigo. Quelques trucs, tu crois pas? Hey, ici votre présentateur préféré, Red Eye. Une armée de X-01. Non seulement quelqu'un a survécu à l'arène, et Patty Colter. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche. Docteur prendre sa place. J'y croyais. J'ai pas choisi cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle deviendrait le grand Manitou? Proposer ma candidature, oui. Il manquerait plus qu'on fasse la fusion. Fusionne. Ça c'est trop synchro. Hein? Voilà comment repartir avec deux armures assistées X01. Qui va s'en plaindre. Pas moi en tout cas. On dirait une mouche. Attention, tu veux quoi? Tu veux un coup de main? J'ai fini, c'est bon. Ça me va. Ça fait bizarre. C'est bon. Bon, bah après le reste, c'est dans les secteurs de cons, là. C'est-à-dire, il y en a là, 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 et il y en a là. Bon, allez, je vais aller déposer. Oh, merde. Je suis éclaté, moi. Montre-moi ce que tu veux que je... Vous voulez me demander quelque chose? Il faut enlever l'armure assistée. Compris. Hey, que de problème. Encore quelqu'un sous tout ce barda?
ça va se demander. C'est leur en proposer. C'est ce que je fais à la miss. D'ailleurs, elle est où l'autre armure de con là ? Je dois en avoir une dizaine d'armures complètes là. Presque c'est pour la moitié d'une colonie. Oui. Ah, toutes celles qui sont pas complètes sont là. Je sais pas ce que c'est, mais ça sera sûrement utile. Thank you.
Là, je suis sûr qu'on pouvait le faire le bug sur 76, mais il a été patch. Après, ça devait être sûrement au début, quand je commençais pas à jouer. J'entendais les mises à jour. Merci. Alors maintenant, il faudrait...
C'est bien comme il était, hein.
pas beaucoup de portes. Le béton, je sais pas comment l'appréhender ce truc. C'est pas ouf. Hein. Il m'a l'air d'être plus grand que sur 76 le bazar là. Non, c'est juste moi qui rêve. Putain, non, j'ai l'impression qu'il est plus poil plus grand quand même. Pourquoi il veut pas monter là? Vas-y. Il y a un truc là, il y a un truc. Ouais. Ah, je sais pas. Bon, allez, ça plus tard. On s'ennuie jamais dans le Commonwealth. Ce qui serait un bon point si on passait pas notre temps à fuir le danger. Dans ce boulot, il faut toujours. Ça a l'air pas mal du tout. Beaucoup d'adhésifs, un peu d'alpiste aluminium. Adhésif aluminium. On va faire ça. Adhésif et aluminium, et puis après, je pense que je vais m'arrêter là. Adhésif, aluminium. Ah merde, putain, je suis fatigué, moi. Adhésif, aluminium, carcasson.
Vous avez un air dangereux, vous. J'espère que c'est pas à moi que vous en voulez. Non, ça, ta mère. Normalement, censé. Augmente la charge maximale. Ça fait bizarre de voir une aigle qui se rend avec cette couleur. Dans ce boulot, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Elle a bien été en couleur de Nuka-Cola Cantu sur l'autre. 76. C'est ce qu'il me faudrait. Un grand verre de whisky sans glace. Depuis que je l'ai fabriqué, ça remonte il y a... Il y a tellement longtemps. Quelle merveilleuse idée. C'est vrai que ça remonte il y a tellement longtemps. Toujours s'attendre à l'inattendu. Tellement longtemps le X01 que je l'ai sur 76. Oh là, je m'en suis même plus. Dans ce boulot, il faut toujours s'attendre à l'en attendre. C'est dit, je dois admettre que je n'ai jamais eu une chose pareille. Ouais. Oh, c'est pas ça. Alors, je suis même plus conseillé qu'il est sorti ce con là, 76. Il est sorti quand ce Fallout 76? Déjà. Enfin, il arrive sur sa sixième année. Oh, il y a 6 ans. Au moins il ne pleut pas. Tu vas aller tout comme un ouest dans tes potes ou pas?
Prudence. Qu'est-ce que... Il y a 6 ans. Je me dis juste que je commence à faire vieux. 6 ans. Tu veux ? Oui. Salut Carla. Encore vous ? Alors on fait affaire ? D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. C'est toujours un plaisir de réaliser une vente. Vous avez entendu parler de cette ferme tenue par des goules ? C'est... Ouais, puis pour ça, l'arme dans Valo. Valo. J'espère que vous n'êtes pas un de ces synthétiques que vous m'espionnez. Hein ? Voulez-vous quelque chose ? D'accord. Voyons ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. Pompette de nuqueur. Ça. Ça.
journée pour une promenade. Faut travailler pour manger. C'est aussi simple que ça. Si vous cherchez une armure, j'ai peut-être quelque chose pour vous. D'accord. Voyons ça. Excellent. L'agriculture, c'est un travail honnête. Encore une journée de labeur. Pourquoi j'ai autant de poids ? C'est le soin, là ? J'espère que vous avez conscience de tout ce que vous avez fait pour nous. Excusez-moi. Je parie que j'ai quelque chose dont vous avez besoin. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Excellent. Ah ouais. Attends. Si vous avez besoin de soins, laissez-moi vous examiner. Ouais. Qu'est-ce qui... Ce sera tout. Très bien. Mais ne sabotez pas tout mon travail en vous faisant tuer, hein? Ok. Pour moi, une bonne journée, c'est quand on se couche pas. Oui.
Ouais, m'arrêter là. Demain, je travaille en plus. J'ai pas envie. Je suis fatigué. Allez. À plus tard.